Campagne. Histoire des deux frères du coup, on l'a fait. On l'a fait déjà en débutant. On va faire une incursion or. L'arrivée des humains et des orques secoua les peuples déjà établis sur le grand continent. Les elfes, en équilibre précaire avec des nains et d'autres espèces, n'avaient livré au cours de ces derniers siècles que d'occasionnelles escarmouches. Ils allaient se retrouver confrontés à une guerre d'une intensité depuis longtemps oubliée. Leur premier contact avec les nouveaux venus se déroula moins cordialement que chaque camp n'aurait pu l'espérer. Mais les humains, même s'ils étaient frustes et brutaux, possédaient quand même une étincelle de créativité similaire à celle des elfes. Les orques, eux,
en paraissait totalement dépourvu. Pendant les quelques années qui suivirent le débarquement du peuple d'Aldric, les orques ne restèrent qu'une vague rumeur bruissant dans les forêts sylvestres des elfes. Froid, si tu as bien. Jusqu'à ce que, un jour, un noble de longue lignée nommé Elornas affronte un ennemi différent de tout ce qu'il n'avait jamais. Les orques furent d'abord signalés aux marches septentrionales de la grande forêt de Westmere. Monseigneur, des étrangers sont établis au nord et détruisent la forêt. Nos éclaireurs pensent que ce sont les orques. Les orques, ce serait bien improbable. Alric, le roi des humains, les a écrasés quand ils ont débarqué sur nos rives. Depuis lors, ce ne sont que des croque-mitaines que les mères utilisent pour faire trembler les enfants. Cela semble pourtant vrai, monseigneur. Au nord, une de leurs bandes abat des arbres vigoureux par dizaines pour allumer des gigantesques brasiers. Ils piétinent les plantes, transforment le sol en boue et n'enfouissent même pas leurs fientes nos avant. Je crois sentir leur puanteur d'ici. Les légendes s'avèrent donc tragiquement vraies. Les orques ne doivent pas aller plus loin. Nous devons débarrasser nos forêts de ces engeances. Je ramène nos sentinelles pour les repousser. Notre conseil doit également être informé. Porte mon message et reviens avec des renforts. Nous pourrions avoir affaire, n'avoir affaire qu'à une avant-garde. Oui, monseigneur. Vaincre Uruga, mort de Elornas ou fin du tour atteinte pour la défaite. Conseil, les elfes se déplacent rapidement dans les bois et sont profités de la protection des armes, et en pièces les grenières ennemies grâce à des archers abrités dans la forêt. Donc on a à disposition des archers, des chamans, des guerriers, des éclaireurs, elfes, forcément on peut actuellement rien recruter, enfin rien rappeler, rien de... Alors, chaman elf, c'est toujours pratique, ça devient très fort dans ce jeu. Éclaireur, c'est bien aussi. Ah. On va prendre un guerrier, un autre archer, et un autre guerrier. Ta-da-da. Regardez les gros, lents, balourds et terriblement pâteaux et canards qui restaient à couvert dans les arbres. Criblés de flèches et la victoire nous appartiendra. Exactement. Avec ma petite éclair. On a 24 tours quand même. Faudrait en profiter. C'est vrai que même les cavaliers elfes se déplacent bien. Pardon. J'ai oublié un archer. Peut-être invoquer plus de sbires. Normalement. Mes chamans et il. Thank you.
C'est bien. Toi, tu vas t'attaquer à lui. Nice. Il faut vraiment un chaman elf évolué. Est-ce que je tue avec mon chef? Ou est-ce que je tue avec le chaman? Je tue avec le chef. Déjà, ça y est, ça c'est bon. Alors, héros elf. Oui, non, ça c'est pour l'XP, je m'en fous. Et lui, il a 8-4-7-3. Sauf que lui, il a commandement, normalement. Commandement, c'est bien. On va prendre un capitaine. Commandement, si je me rappelle bien, quand il est à côté des alliés. This unit can lead your own unit that are next week making fight better adjacent unit of lower level will do more damage in battle. 25% de dégâts de plus par rapport à la différence de level. Sur les unités plus faibles, ce qui est quand même très fort. Renvoyez ce chaman en chair à pâté. Du coup, lui, c'est quand même moins peur. On peut commencer à aller attaquer sur lui. Qu'il est ralenti. Thank you.
faudra vraiment que ce soit ma chamane qui le tue. Oh. Il y a 10 XP sur 120, mon chef. Ouais. Faut tuer de... On recommence à donner à marcher. Non. Ouais, le chef. Hein. Plus cher durée, plus longtemps pour plus de sous. Mais bon, on n'a pas besoin de plus de sous. Les orques avaient laissé une piste facile à suivre, similaire à un sillon de terre atrocement piétiné, traversant la forêt maltraitée. Erlornas et les siens se dirigèrent au nord, puis à l'ouest. Ils atteignirent rapidement un coin de forêt divisé par de multiples rivières, et découvrirent quelque chose d'inattendu. La piste mène droit à ce lieu, monseigneur. Il y a un donjon devant nous. Comment se fait-il que nous n'en sachions rien? Je pensais que nous surveillions nos frontières plus attentivement. Je n'en sais rien, monseigneur. À part nous, personne n'aurait pu construire une telle chose ces derniers siècles. Je crains qu'une fausse impression d'impunité a induit la vigilance de nos éclaireurs. J'aurai quelques réponses à la fin du combat. Et pour l'instant... Voix des ailes, viande fraîche, oui. Concentrons-nous sur notre tâche immédiate. Cette créature... Démente pense-t-elle réellement pouvoir nous tuer? Les apparences peuvent être trompeuses. Conseille la prudence à nos compagnons. Voilà, comme d'hab, les assassins sont difficiles à toucher et leur poison est insidieux. Restez proche des villages où l'empoisonnement peut être guéri et forcez vos ennemis à vous attaquer depuis les fleuves. Donc on a gardé l'archer. Par contre, on va rappeler. Forcément, le capitaine Elf. Et on va également rappeler notre chaman Elf à 14 XP. Combien ça coûte un éclaireur à cheval? 18. Pour 18, on peut rappeler qu'il y a 14. Puis ça coûte 20. Et ensuite, on va recruter un guerrier. Notre archer. Alors, il nous invoque des assassins, des orques de base. On va tout de suite aller prendre les petites maisons. Et on va toujours faire se balader nos unités proches de notre capitaine. Je vais faire un autre terreur. Les guerriers, ça va être le nerf de la guerre. Les archers aussi. Deux archers. On va faire un cheval. Voilà. Alors, normalement, cette map devrait pas être trop dure. Enfin, tout dépend, mais il va invoquer de Saligou. Surtout que la nuit va tomber rapidement. On va se reposer. Les archers. Oh.
grâce au commandement qui a fait des dégâts. Avec le cheval dessus plutôt, je vais pouvoir attaquer le coup. Je vais rester dans l'eau ici. On peut se mettre comme ça. J'espère ne pas perdre. J'espère ne pas perdre. Le commandant. J'ai peut-être joué autre. On va voir. Je me fais attaquer à l'archer. Je perds pas le commandant. Ok, même si l'empoisonné il en a ralenti deux, ça c'est bien. Toi tu peux changer de place avec le mec à cheval. Quoi? Ah, voilà, comme ça. Ouais, si, quand même. Voilà. Toi, tu vas reculer ici. Toi, tu vas reculer là et tu vas recruter un éclaireur et un guerrier. Je commence à en avoir marre de ce guerrier là. C'est bien. Mais lui là. Toi. Attaque le loup. Voilà. Toi, tu fais autre chose. Ok, pas mal. C'est pas mal. Par contre, ce guerrier, il se soulève de l'enfer. Ah mais maintenant, qu'il en dit, il se soulève. Oh non, ok.
quelle armade. À toi. Wouah. Facile hein, tout ça. On peut rapatrier cet archer. J'ai le chef. Et passer son tour. Incroyable. Non. Non. On perd des unités là-dessus, mais il touche tout le temps quoi. Allez. Voilà, ça c'est bien. Ce cheval va tuer du loup. Voilà, s'il te plaît. Ça c'est bien. On rapproche l'archer. À 30%. J'aimerais bien le heal lui quand même. Voilà. Faut pas avoir sur un archer. Oh, c'est un bon archer. On va essayer de pas le perdre. Tu vas reculer tout là-bas. Sur la maison, toi tu vas l'enchevêtrer. Voilà, ici, voilà, grosse merde, tu es. Voilà, c'est bon. J'aurais dû mettre lui à côté. Ah, bah non, c'est mon chat. Bah là on est bien, je pense que je vais... Allez. Oh, bien joué. Marchez là. Oui. Bon là, il fallait 44 XP quand même pour les contre. Ah, c'est parce qu'il est intelligent. Il est rapide et rapide. Arc plus un dégât, plus un déplacement, plus un dégât. Bon, à qui est-ce qu'on a envie de donner l'XP? 120 XP et on peut 60. Un peu l'XP. On va dire à l'éclair d'aller capturer ça. Leur chef a bougé du coup. Il a bougé de chez lui. On va reculer. Voilà, je sais que la nuit. Je vais passer juste comme ça. Merde, j'ai mis le cheval. Cheval.
potentiellement perdre un de chevaux. Non, il... Ah si, je suis pas. Non, c'est bon. Et le cheval, petit level up. Cavalier elfe. Toi, tu vas ralentir lui là. Raté. L'arc raté. Je pourrais garder lui à côté. Allez, oui. Alors, rôdeur elf, ils peuvent embusquer en étant en forêt ou alors les tireurs d'élite. Ils font quand même beaucoup plus mal. On va rester en tireur d'élite, je pense. On a une chance de le tuer. Juste tenter. Ok, ce serait bien que ce soit celui qui prend aussi. Sauvegarder. Ouais. Alors qu'il progressait vers le nord, les forêts verdoyantes laissaient progressivement place à une lande rabougrie et stérile. Les signes ne trompaient pas, des souches sans vie, des troncs à moitié pourris, des branches mortes éparpillées dans une herbe rabougrie, un bois aux essences similaires à celles de leur patrie poussée ici auparavant. Et ce bois avait été assassiné. La piste ne put être retrouvée. Le vent et la pluie avaient effacé la trace. Par chance, celle-ci n'était en rien nécessaire. De la fumée à l'horizon trahissait la présence ennemie. Erlornas était presque certain de trouver des orques là-bas. Aucun clan nain ne romprait ainsi les anciens traités. Les humains n'étaient pas aussi méthodiques dans la destruction, et peu d'entre eux voyageaient dans les terres du Nord. Qu'il trouvait trop froide et trop humide pour être agréable. La question principale demeurait, trouverait-il Rualcha? Peut-être, mais pas là. Cette tribu était trop réduite pour impressionner d'autres orques. Le matin suivant, les elfes étaient prêts à se battre. Monseigneur, je déborde de chagrin. Cette destruction insensée est proprement traumatisante. Et oui, nous sommes en train d'affronter une menace que nous avons longtemps ignorée. Cette tribu est petite, mais nous devons la repousser au nord. Ils ne doivent pas avoir la tête de tout au sud des collines. Des elfes ? Uruga a donc échoué. Cette faiblesse lui coûtera la gloire. Qu'il en soit ainsi. Grognard, debout. Une belle bataille s'annonce. Déversez votre rage. Passez-les tous au fil de l'épée. Le premier qui répandra le sang festoiera à côté de moi ce soir. Visez juste, soldat, avec du jugement et du courage, la victoire sera nôtre, et n'épargnez personne. Aucun orque ne doit rester au sud des collines, sinon nous n'aurons plus jamais la paix. Il n'y a aucun village dans ce scénario, vous devez utiliser des guérisseurs à la place. Utilisez les tactiques d'attaque éclair pour affaiblir les unités ennemies. Ils ne peuvent pas guérir seuls. Aucun village sur cette map, donc. Tireur d'élite. On va rappeler évidemment notre capitaine, on va rappeler l'autre cavalier,
on va rappeler notre chaman elf qui a 28 et notre archer qui a 21. Les autres, on peut juste les recruter normalement. Un deuxième chaman quand même et un deuxième guerrier. La map est petite. Est-ce qu'on recrute d'autres? Je dirais que non. Et que tout va bien se passer comme ça. Ah, il invoque quand même des unités niveau 2, quoi. Il invoque des arbalétriers et des guerriers. Et lui, c'est un seigneur de guerre niveau 3. C'est pas des c'est pas non plus des unités à prendre à la légère. Il va falloir faire gaffe, en fait. Nos petits guerriers en front lane, les chamans derrière. Notre cheval ici, lui là. Là c'est Earl Ornas. Faudrait pas qu'il meure, hein, notre petit Earl Ornas quand même. C'est très dommage. On va y aller comme ça. Ok, ça c'est bien. Avec lui, ralentissement. Paf. Avec lui, on a 8-3 arbalètes. Je peux pas tenter 8-3. On va y aller avec le cheval. Hop, 8-3. Il faudrait qu'on tue avec l'archer en 10-4. Bon, alors on le tuera avec Earl Ornas, je pense. Ça c'est très bien. On va essayer de tuer avec l'archer du coup plutôt. Très bien. Et lui, on va le passer en rôdeur du coup. Ça dans un chac. Et ensuite, quelle unité on peut dégâts? On va mettre notre soigneur là. Il devrait aller. On a le point. On a déjà perdu notre rôdeur. Ça n'aura duré que le temps d'une RNG défavorable. Très bien, donc druides c'est soin plus 8, c'est extrêmement fort en fait ça. On va espérer qu'elle ne se fasse pas tuer. Et ensuite on va essayer de continuer de donner l'XP. C'est deux ralentissements très forts. Là.
fois 4, c'est énorme. Là, il fait jour, ce sera le moment pour aller attaquer. On va mettre le cheval devant et lui. Pour protéger les îles. Et tour suivant, on attaque. Ok, let's go. Toi. Hop, ralentissement. Ensuite, on amène lui. On amène notre guerrier à côté. Notre cavalier. Selon les dégâts, on bougera elle et on peut amener notre archer également. Tac, c'est parti. Ça, c'est pas mal. Avec lui. Très bien. Toi. Extraordinaire ce tirant. Donc on amène lui là et lui ici. Forcément ça attaque au plus faible. Normalement c'est deux. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave parce que nous on peut faire ça. Oh. 69 XP. J'aimerais bien d'expliquer au cœur. Nous avons trouvé le passage, maintenant vous avez... Nous allons venir en monde, tu ne peux pas imaginer. La tempête est mort. Le chef orc finit par tomber, succombant à ses blessures, les elfes se retrouvaient dans un camp quasiment ruiné, jonché de cadavres. Il n'y avait aucun orc vaillant en vue, et aucun des blessés ne demanda grâce. Les elfes ne firent aucun prisonnier. C'est fait, monseigneur. Aucun ne s'est échappé, aucun n'a essayé. Cela me perturbe. Bien, leur dédain pour leur propre vie est ahurissant. Tout comme les leur férocité à défendre ce qu'ils considèrent comme leur propriété. Nos éclaireurs signalent-ils d'autres individus de l'autre côté des collines? Monseigneur, mais des trolls ont été signalés dans les collines qui nous font face. Devons-nous vraiment traverser pour aller au nord? Oui, le conseil m'a envoyé un rêve. Ils sont préoccupés. Ils nous ont envoyé des renforts, mais nous devons nous dépêcher, dit à nos compagnons de se reposer. Que faire du butin, monseigneur? Nous avons trouvé les provisions d'une valeur d'environ 100 pièces d'or. Distribuant une partie aux troupes, garde le reste pour le trajet. Puis il devient désertique, nous trouverons peu de ravitaillement durant notre marche. Très bien. Le lendemain matin, les elfes repartirent de plus en plus préoccupés par la durée de la campagne et de plus en plus nostalgiques du confort de leur forêt verdoyante. Ce pays était désolé et rocailleux. Rien ne les protégeait de la morsure du vent septentrional alors qu'ils traversaient l'interminable chaîne des montagnes qui s'étalait devant eux. Peu avant la nuit, ils arrivèrent à l'entrée d'une vallée et décidèrent d'établir leur campement. Les éclaireurs avaient averti que la région était hostile et que la route devant eux pouvait être traître dans l'obscurité. Il n'y eut ni chant ni musique cette nuit-là et beaucoup d'elfes dormirent difficilement. Quelques-uns particulièrement nerveux veillèrent anxieusement. Les elfes se mirent en formation, combat dès le lever du soleil. Ceux qui se cachaient derrière les collines ne les prendraient pas au dépourvu. Nous sommes maintenant loin de nos terres, Erlornas. Nous avons chassé les orques de la forêt. Pourquoi ne pas repartir? Je sais bien, Ruelcha. C'est mon raisonne. Où que nous allions depuis le début de l'invasion. Cet orc n'est pas qu'un simple maraudeur, il veut des terres, nos terres. Il planifie une invasion, j'en suis sûr. Nous devons mieux nous informer sur ses plans avant de repartir. Et puis dis-moi, comment as-tu dormi la nuit dernière? Comment j'ai dormi? Mal, monsieur. Oui, ici le flux terrestre sont perturbés. Les passerelles avec le pays des songes sont difficiles à établir. Un mage de rôder dans les parages, ou peut-être plusieurs. Les traces sont mélangées et certaines nous sentent désagréables. Nous serions effectivement dans de vos draps si les orques avaient ajouté la magie à leur force. Nous devons savoir ce qui en est.
Les renseignements ne serviront à rien si nous sommes tués avant de pouvoir faire notre rapport. Ces montagnes semblent être un territoire troll. Il suffit, le soleil est au zénith, donnez ordre d'avancer. Les trolls combattent mal quand ils ne sont pas sur un terrain rocailleux, et cela est la nuit en journée, attirer l'air de colline et attaquer le jour. On va donc rappeler notre cavalier. On va rappeler notre capitaine. On va rappeler notre druidesse. Très important. Et. On va rappeler le guerrier à 14. Il nous faudrait quand même une unité. Un archer. Et un éclair. Pas d'ennemis en vue par là. Ah, il y a un château par contre. C'est vrai que j'envoie quand même des tiens. Recruter un autre éclaireur. Son nouveau à lui, ce sera juste de se déplacer vers le nord. Très bien. L'intelligence naturelle des elfes, profonde des militaires redoutables, et leur font sûrement monter leur aversion à la guerre. Ils sont forts au moment de sécurité. Disquette à l'épée 8-3 à l'arc, c'est quand même très fort. Et puis normalement, ça a une fouine en 21-1, c'est. Il y a 12-2 et 21-1, ça fait très très peur. 21. Et lui, il y a Gourdin en 17-2. On va. Attendre ici.
Merde, il a invoqué d'autres salauds. Alors moi je partirais bien sur un petit ralentissement. J'ai pas envie qu'il y ait ça. Du coup à la place on va l'envoyer lui 4 très bien ça. Je vais essayer de cavaler ici. Pas que ce soit une très bonne idée ce que j'ai fait. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a là-bas quand même. On va approcher lui là. Absolument rien là-dedans. On a quoi?
cheval qui va peut-être bientôt relever l'œuf. Peut-être même deux. Donc ça c'est bon. De l'autre côté il devrait être capable de survivre. Il va être là. Tout se passe bien. Alors tu vois. Il a pas mais comment ça va plus. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un petit bout de côté. Et on va attendre que l'autre unité se rapproche et le jour avant de tenter une attaque. Ça me paraît un peu mieux. C'est clairement pas une bonne idée. Il a fui. C'est une idée moins pire que prévu, ça va. Ok. On va essayer de tuer lui d'abord quand même. Ça c'est bien. Toi, j'aimerais que tu level up. Et toi, tu vas le ralentir. S'il te plaît, non. J'ai vraiment pas envie que la partie soit niquée pour un ralentissement qui a pas marché. Il y a juste invoqué. On va retenter le ralentissement. De nuit, c'est très important.
ensuite, avec un peu de chance, notre cavalier. Level up, oui. C'était le dernier de leur chef, monseigneur. Les trolls semblent reculer. Parfait, lève le camp, tout le monde doit passer le col avant qu'ils ne rallient leurs armées. Nous nous reposerons de l'autre côté, nous l'aurons bien mérité. Tout de suite, combien de temps pensez-vous qu'il nous reste? Un jour peut-être. Nous avons affronté deux clans aujourd'hui, ils ne vont pas tarder à se regrouper. Nous devons partir avant le prochain crépuscule. Un petit tour de garde. Après une journée de repos durement mérité, les elfes reprirent la route du nord. C'était une région inexplorée où même les éclaireurs de Westmer les plus entreprenants n'avaient pas mis les pieds. Après deux jours de voyage, les éclaireurs signalèrent un nouveau groupe d'orques en train d'assiéger une tour. Erlornas observait le siège au sommet d'une petite colline couverte d'arbres surplombant la vallée de la tour. Au rapport. Un groupe de guerriers orques composé uniquement de mâles adultes assiège une tour ressemblant à celle que construisent les humains. Et nous sommes bien loin des terres accordées aux hommes par nos traités, seigneurs. Pris à la lettre, le traité ne leur accorde pas ces terres, mais ce pays est trop froid et trop désolé pour nous. Je me demande quel type d'humain vit ici, loin des leurs. Ils violent notre territoire et devraient être chassés. Un instant, ils ne sont plus. Quelques-uns, tout au plus, nous aurons largement le temps de penser à les chasser quand nos ennemis commenceront à disparaître. Détrompe-moi, je ne vois aucun pont par-dessus le précipice qui entoure cette tour. Les défenseurs pourraient-ils les avoir retirés? Non, seigneur, il n'y a aucune trace de travaux, aucune passerelle ne semble jamais avoir été construite. Un autre moyen caché doit permettre d'accéder au bâtiment. Intéressant, va dans ma réserve personnelle, apporte-moi une bouteille de vin et une paire de verres. Des verres? Dépêche-toi, nous allons bientôt accueillir quelqu'un. Et alors, Erlornas ferma les yeux et leva les mains. Les paumes formant une coupe levée vers le ciel. Elles commencèrent à briller, puis s'enflammèrent d'un feu féerique, ovalant tout le corps du seigneur M d'une lumière bleutée et froide. L'elfe murmura quelques mots, et un filament de lumière s'éleva des flammes sacrées et se dirigea vers la tour en contrebas. La lumière qui entourait Erlornas s'évanouit progressivement et tout redevint comme avant. Peu de temps après. Vous avez fini par accepter l'invitation? Parfait, bienvenue, je suis le seigneur Erlornas de Westmer. Votre présence ici me surprend. Ma surprise est à peine moindre, seigneur Elf, mais j'apprécierai votre aide contre ces orques qui assiègent ma tour depuis deux semaines. J'espère que cette sale engeance sera repoussée le plus loin possible de la frontière et qu'elle ne reviendra pas. Ce serait une bonne chose si un allié des elfes surveillait ce territoire. Eh bien, je suis avec vous, seigneur. Ensemble, nous pouvons les vaincre. Monseigneur, les humains ne sont pas dignes de confiance. Ils changent d'aisance comme le vent de direction. Ce serait possible, mais celui-ci ne devrait pas nous vendre aux orques et nous pourrions avoir besoin de son aide. Une puissante troupe d'ennemis nous fait obstacle. Du coup, victoire, vaincre Kruya, briser le siège, défaite lors de Erlornas, lors de Lunaera, un conseil, Linara est la meneuse et peut regrouper des mages lorsqu'elle se trouve sur un donjon, utiliser des éclaireurs elfes et le pouvoir de téléportation pour harceler les ennemis. Quoi? Téléportation. Téléportation. Cette unité peut se téléporter entre deux villages d'un même camp pour un point de mouvement. Ah! C'est ultra intéressant ça. On a des mages. J'ai toujours mes elfes. Il y a un orc, il y a pas mal de villages. On va rappeler la druidesse. On va rappeler le maréchal. On va rappeler le héros. Également l'escorteur. Le cavalier. Et on va rappeler. L'archer elf qui a 22 XP peut être bien. Par exemple, si elle est là-dessus, je peux sûrement recruter des trucs.
Moi, les mages, c'est comme des archers, mais en plus. J'espère que c'est la joie pas très directement. Il y a des gros autour de lui. Il doit peut-être faire reculer les unités. Toi tu es là. Toi tu vas aller découvrir. Là, t'avances. Non. Toi, t'attaques le loup. 10-4, ça c'est sûr. Très fort. On est en après-midi. Du coup, pour l'instant, mes unités sont fortes. L'XP est bien là. Cette 3, ça passe. Très bien. Toi ton mage. C'est fort le mage. Hop. Les trucs que j'ai recrutés en plus ne servent à rien. Ça prend cher les mages. Non, par contre, je suis bien, je suis tranquille. Ah, il a déjà bougé son roi, quoi, l'autre. Il va se faire lever le plancher. Oh. S'il n'a pas le droit de mourir. Par contre, il a le droit de tuer des ennemis. Merci.
Passer sur la lune. Allez. Très bien. Jusqu'où va-t-il fuir comme ça? On peut garder les maisons. Il a pris cher.
c'est bon, allez, quand même. Mais là, ce petit malin, il s'est mis à un endroit où... Oh, il avait pas beaucoup d'angle mort. Un d'angle pour l'attaquer. Oh. Allez. Peur, hein. Et voilà. Ceci est donc conclu, Linéa. Il y a une petite chose qui me chiffonne. Vous pratiquez la magie. Ne sentez-vous rien de bizarre à l'est d'ici? Effectivement, une entité maléfique s'est installée récemment dans une vallée toute proche. Ses serviteurs traînent autour de mon domaine. J'avais pensé en occuper par moi-même, mais vu le respect des elfes et pour votre première nature, je crois que vous aimeriez autant que moi la détruire. Allons-y. 107 pièces d'or. Les esprits diaboliques qui se sont installés dans cette prairie humide l'ont transformé en une abominable tourbière. Mes apprentis et moi pouvons les exorciser, mais vous devez nous protéger de leur force. Linéa, la meneuse, elle peut recruter des mages lorsqu'ils sont sur un donjon. Les morts vivants résistent aux attaques physiques, utilisez les mages protégés par des elfes pour les attaquer. Du coup, on rappelle le maréchal, on rappelle la druidesse, l'escorte, non, tir aux élites, le héros, l'escorteur et le cavalier. Et ensuite on bouge là. Sauf que la map encore une fois est pas très grande. Et qu'on part pour buter une niche. Quel squelette. Alors est-ce que le tarché ça a été plus relou de souvenir? Ah c'est vraiment fort la TP comme ça. C'est rigolo. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de... Dommage. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'envoie quelqu'un d'autre? On va faire ça. Mettre elle dans le château, on va envoyer un cheval là-bas, un cheval là. Avec elle, on doit recruter. Et attends, recruter un match ça coûte 20 balles, donc autant les rappeler. Quoique, ils ont plus un XP. Après, il y a lui qui est fidèle. On peut les rappeler. Un point XP et voilà, on aura 3 mages. Ça va être une grosse bataille. Ah, il y a aussi des spectres. Les archers vont être inutiles sauf contre les ghouls. Il va falloir que je me serve de la magie.
agressé. Elle, du coup, pour recruter vraiment que des marchands. Qu'il en soit ainsi, j'attendrai le jour. On va tenir les positions ici. Da 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 da. J'ai pas envie de m'attaquer au royaume de chute. Enfin, on va recruter quand même un mage. On a plus de sous, on est des pauvres. Ok, on va rien recruter du coup, on va jouer safe. La RNG. Enfin le jour. Bon, très bien.
De le fight la nuit. Jouer. Grosse merde. Comment souhaiter rencontrer Zelf? Non, non, je veux pas traiter une chose après les secrets, certainement votre enchante. Monseigneur, nous avons chevauché sans relâche pendant plusieurs semaines pour vous rejoindre. Après délibération, le conseil vous demande de vaincre le Royal Chat au plus vite avant qu'il ne puisse rassembler une puissante armée dans la zone. Les Acerruels Chat. Malheureusement, mon armée entière sera bientôt là et ensuite nous écraserons. Vous allez prier pour mourir rapidement. C'est un souverain or, plus beau trouver. Ceci est le dernier scénario. Votre ennemi est bien protégé contre les attaques provenant du sud. Utilisez des rôteurs pour vous filer à travers la forêt
et organiser une attaque surprise à partir de là. C'est vrai que tous ces petits malins sont très énormes à faire. Et donc on va embusquer, cette petite salopane. On va embusquer cette salopane, Déjà, on va rappeler. Notre maréchal, elle. Notre druidesse. La franc-tireuse. Les chaleurs, on s'en fout. Là. Le héros. L'escorteur. Et le cavalier. Ça va être du fight pas facile. Appuyez sur une, deux fois. Tellement loin. Ça va, c'est des planqués. Les mages c'est fort contre les trolls. On va rappeler au moins un mage qui fait que plus d'XP. Quoique, on va rappeler deux mages. Allez. Normalement si je fais recruter, j'ai le droit de recruter les mages. J'ai juste le droit de les rappeler ceux de la campagne d'avant. On a bien fait dans le en rab. Il a invoqué deux châteaux foules déjà. Ça vaut le coup de tous les envoyer dans la forêt. Moi je dirais que non, on est ici dans la montagne. C'est le dernier scénario donc je pourrais recruter quand un groupe en maintenant. Ou attendre un peu. On a 24 tours, on va profiter du temps qui nous est mis à disposition. Celle-ci il va falloir la reculer. On va faire ça. On va pas la bouger. On va essayer de tuer. J'allais dire on va rapprocher Adrien mais finalement. Adrien pas encore. On va juste attaquer le loup. Faudrait que je tue le loup avec elle. Ça va risquer. Ça va être risqué. On va plutôt aller tuer. Hop, avec une forêt. On va reculer de ce côté-là. Parce que c'est un peu dangereux. Essayer de tuer le petit archer.
trolls aussi. Ils sont chiants parce qu'ils se régénèrent à tous les tours. Et finalement on n'a pas tant que ça, mais un peu tout le monde sait se servir d'une épée, c'est les elfes, donc c'est bien. On va essayer de faire reculer le cheval avant qu'il crève, on va crever. C'est pas un bon cheval. Il est mort. Après ils ont bougé leur chef là. On pourrait tenter de bourrer leur chef. Il n'a que 75 HP. Mais on va pas faire ça. Quoique. Non, 11-3 arbalète, c'est caca. C'est caca. Faut quand même que j'envoie un truc pour aller le. Pour aller le tank. Ce cheval-là, on va reculer ici. Il va avancer là. Elle. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Il faut vraiment qu'on backdash de ce côté-là. Sinon ça va vite être la merde. Genre vite, vite quoi. La nuit il tape fort, c'est petit bâtard. Ce cheval a fini de se faire attaquer ici. Et on va envoyer. Je crois qu'on va envoyer lui tuer ça. Avec un peu de chance. Pas trop cher, et forcément il prend le max et il fait 0 dégâts. Merde. Bon, non, il faut s'attaquer au mage. Bon, lui, déjà, backdash. Notre cheval va mourir. Ça, c'est pas de... Oh merde, ça fait évoluer son petit connard là. Il s'attaque au mage comme prévu. Et en plus, il meurt pas. Ça c'est très bien. Par contre, toi, tu vas pas level up. Toi, tu peux aller prendre ça. Toi, je t'avais oublié. Faut absolument tuer lui le plus vite possible. Touchez au sort. Il se touche la nouille, il se touche la touche à nouille. L'espresso touche à nouille. Oui. Est-ce que j'envoie? Non. Non. On va éviter de faire ça. On veut. Allez. Ça passe à peu près. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas aller ici pour heal. Toi, t'avances. Toi, tu vas ici pour commander lui. Oh. Qui est à plus fort. 10-4. Allez. Allez. Pas loin, pas loin. C'est pas mal. Cheval est mort, il a tué le mage, il a tué l'autre mage,
toi, te ralentir, s'il te plaît. Tiens là, 2, 3, 4, s'il te plaît, tue-le. Et level up, oui. En nymphe elf, 7-2 doigts de fée, 7-3 séduction, 3 épines. Ça c'est bientôt tu reprends la maison. 1, 2, 3, 4, presque. Paf, tu meurs. Tu vas le tanker, juste le tanker, pas l'attaquer. Tu prends ça. Allez, tu sais tout faire. Merci. A ton tour, à toi de jouer. Toi tu vas là, toi tu vas là. Toi le mage, tu niques sa race. Tu vas passer en mage blanc pour heal. Encore plus de heal. Guérison soin plus 8, c'est extraordinaire. Et guérison peut aussi soigner poison maintenant celle-ci. Ce qui est débile, beaucoup trop fort. C'est le dernier scénario pour commencer à la faire quelques jours. On a pas peur. On a pas peur. À ce tour. Paf, des petits épis. Paf. Avec qui j'ai envie de le finir? J'ai envie de le finir avec ce chiant, les montagnes, quoi. Bon, bah, avec lui. Et alors, paf, 11-5. Voilà. Vous pouvez me tuer, Erlornas, mais mon peuple me suivra. Et ils n'oublieront pas, ils vont vous poursuivre ou vous faire disparaître. Nous allons. Mais Rualcha surestima la détermination de ses troupes. Leur chef mort, ils s'éparpillèrent et fuirent les elfes pour rejoindre leur place forte dans le nord lointain. Cela m'afflige d'ôter une vie, même celle d'un barbare tel que Rualcha. Ces orques noircelles, nous allons devoir nous habituer à combattre. Je le crains. Nous avons emporté une première victoire, mais cela augure de temps difficiles. Fin du scénario. Et c'est gars, oui, c'est gagné. Quel que soit le joueur contrôle les villages et souvent qu'il la victoire, utilisez ce savoir pour leurrer votre adversaire en laissant quelques villages inoccupés tout en gardant l'esprit du item. Il deviendra plus difficile à déloger dans un village. Et oui, la meilleure utilisation des unités qui chargent. Peut-être aller prendre une petite douche et revenir stream après. Je pense qu'on va faire ça. Ça a l'air bien. Hop. Pop 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 p